Philippe Bouvard est une personnalité publique que l'on ne présente plus. Âgé de 93 ans, ce dernier est le premier à avoir animé l'émission des Grosses Têtes sur RTL, entre 1977 et 2014. Invité de Jordan Deluxe ce lundi 12 juin, c'est en toute transparence que le journaliste a accepté de faire quelques confidences sur son état de santé. S'il est toujours très actif, Philippe Bouvard reconnaît que le temps passe. Je suis toujours en vie, mais pas complètement, a-t-il d'abord plaisanté avant d'ajouter, le grand âge m'a valu quelques infirmités, quelques handicaps, mais dont j'ai appris à m'accommoder. Pas de quoi inquiéter puisque Philippe Bouvard assure ensuite aller aussi bien que l'on peut à cet âge-là. Du haut de ses 93 ans, le journaliste ne souhaite pas être inactif. Je crois être un des doyens en exercice de la presse française, a-t-il indiqué, rappelant qu'il est un animateur de télévision et de radio qui continue d'écrire. En effet, il assure une chronique radio hebdomadaire. Philippe Bouvard a conscience que sa santé décline, mais il affirme que celle-ci lui permet toujours de conserver un esprit vif. En effet, le journaliste ne voit que le positif. Je m'accommode de ce qui va mal, a-t-il déclaré avant d'ajouter, ma vue est basse, mon ouïe laisse souvent à désirer. Mais, pour le reste, ma mémoire est intacte. Au fil des années, sa mémoire a été très précieuse et elle lui a permis de publier 69 livres, s'est réjoui Philippe Bouvard. Si le journaliste voit uniquement le positif, il précise toutefois avoir rencontré quelques difficultés au fil des années. Ce qui est le plus compliqué, c'est d'abord de jouer au poker de casino. C'était l'un de mes vices, a-t-il confié avant de poursuivre, je continue d'aller jouer de temps en temps, mais je suis accompagné par quelqu'un qui me renseigne sur les cartes du croupier. Philippe Bouvard n'en oublie pas ses passions, même s'il doit compter sur l'aide de quelqu'un pour les réaliser. Des confidences en toute transparence. Philippe Bouvard, il n'est rien pour moi. Philippe Bouvard n'a pas sa langue dans sa poche. Lors de cet entretien, il a d'abord évoqué son âge, sa carrière mais aussi Laurent Ruquier. L'ancien présentateur n'a jamais hésité à donner son avis concernant celui qui lui a succédé, assurant qu'il avait été désagréable avec lui. Face à Jordan Deluxe, ce sont des propos similaires qu'il a tenus. Je n'ai rien à dire sur le personnage, a-t-il lancé avant d'ajouter, je l'aimais bien quand il était animateur à l'extérieur. Et surtout quand il présentait des spectacles où il avait vraiment un certain talent. Toutefois, l'opinion de Philippe Bouvard a rapidement changé. Et puis ça s'est gâté quand il a voulu me faire payer à mon arrivée à Europe 1, où il officiait, le fait que je lui faisais de l'ombre depuis des années et qu'il n'avait jamais pu me dépasser et même faire la moitié de mon audience, a-t-il déclaré ensuite, précisant, Laurent Ruquier, c'est rien pour moi. Times through the rough times I